Bonjour à tous, bienvenue à tout le monde, et merci à ceux qui se sont abonnés là dernièrement. J'ai reçu pas mal de messages aussi de gens qui m'encouragent à continuer et tout, donc ça motive à partager de nouvelles choses. Donc je vais continuer, je vais essayer de partager, de parler le plus naturellement possible. Voilà, c'est pas évident de parler tout seul comme ça, de faire du face cam surtout. J'essaie de me forcer à le faire parce que je sais que moi, en tant que spectateur, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire et voir les gens mettre des visages. Donc voilà, même si je me cache un peu derrière ma casquette et mon micro, au moins vous pouvez un petit peu me voir. Aujourd'hui, donc, je fais de la prise de vue à la chambre toujours. Je viens de m'acheter une chambre d'occasion là. Donc je vais faire quelques photos d'une maison que j'ai déjà photographiée plusieurs fois, qui est pas très loin de chez moi, sur la plage. Donc comme je disais, c'est une maison que j'ai déjà photographiée plusieurs fois. Là, c'est une image qui doit dater de 2018 que j'avais fait pour ma série Portrait d'un littoral. Moi, ce qui me saute aux yeux tout de suite quand je revois cette image, c'est que je pense que la couleur est super importante pour moi, voire indispensable. Là, le fait d'être à la chambre, j'essaie de me mettre au noir et blanc un petit peu parce que ça permet de développer soi-même. Ça permet aussi d'essayer des nouvelles choses, de remettre en question son esthétique, d'aller chercher des nouvelles lumières, etc. Donc c'est intéressant aussi de voir ce que ça peut donner. C'était pour tester la chambre aussi, voir si tout fonctionnait bien. Mais je pense que si je relance un projet à la chambre là prochainement, je pense que j'irai vraiment vers la couleur, quoi. Donc la chambre, c'est une 4-5, c'est une folding, ce qu'on appelle les chambres folding, donc qui peuvent se replier comme ça sur elles-mêmes et se mettre dans un sac. Ça fait 1,5 kg, c'est tout léger, donc c'est vraiment du matos qu'on peut emmener partout, comme on emmènerait du matériel numérique, sauf que ça permet de faire du grand format. Donc voilà, moi c'était le critère qui était super important pour moi, que ce soit compact et que je puisse l'emmener partout sans me poser la question. Du coup, ça fait plusieurs mois que j'attendais, que je surveillais sur le bon coin de trouver la bonne occasion, vraiment le matériel qui me correspondait. Je trouve que c'est un investissement super important. Une chambre, c'est un objet qu'on peut garder toute sa vie, donc j'attendais vraiment de trouver le bon truc. J'ai hésité assez longtemps à prendre une Intrepid, pour ceux qui connaissent les Intrepid Caméras. C'est une boîte qui se situe en Grande-Bretagne, je crois, et qui fait des chambres à la commande. Il y a quelques chambres en bois et ils font à l'imprimante 3D aussi. C'est du matos qui est pas très très cher, mais je trouvais ça un peu impersonnel et je préférais avoir un objet comme ça qui avait un peu vécu. En plus, le mec était super sympa, il m'a dit qu'il y tenait beaucoup, qu'il l'avait utilisé pendant des années, mais qu'il l'utilisait plus trop là, donc voilà, il voulait la vendre. Et moi, ça correspondait vraiment exactement à ce que je voulais. Donc voilà, donc la marque, c'est une chaîne AO, c'est une marque chinoise. C'est à peu près la même conception que les Chamonix, c'est un peu une imitation en fait. C'est un tout petit peu moins bien fini, donc c'est un peu moins cher, mais ça reste un super bel objet, c'est en bois, c'est du noyer. Donc voilà, j'en suis super content et voilà, j'espère l'utiliser longtemps et faire des beaux projets avec, j'espère.
pour le coup, c'est pas trop dans mes habitudes de faire des vues d'aussi près comme ça. J'ai plutôt l'habitude, au contraire, de prendre du recul et de plus faire des vues d'ensemble. Mais là, j'ai eu envie de me rapprocher, de faire une vue de détail de ces espèces de petites falaises de sable là qui se sont créées avec la marée. Et le fait de bosser à la chambre, ce que j'espérais, c'est que ça puisse faire vraiment des images où on puisse se plonger avec beaucoup de détails. Et donc voilà, j'essaye de changer mes habitudes aussi et faire de nouveaux types d'images du fait de bosser avec un nouvel outil. Donc là, je tourne dans la pièce et je cherche la bonne photo, le bon cadrage. Et il y a un côté un peu frustrant parce que je me rappelle des moments, je me rappelle de ce que je voyais dans le dépoli et c'est que des photos que j'ai pas faites du coup. Et on peut regretter, alors, évidemment, on est obligé de se limiter. Là, j'étais parti avec trois châssis des deux côtés, donc ça fait six images, donc ça va super vite. Et voilà, là, quand je suis au fond de la pièce, j'ai vraiment failli faire la photo. Je suis allé jusqu'au bout, j'avais fait ma mise au point et tout. Mais au moment de choisir ma profondeur de champ, je savais pas quoi faire et je savais pas si je voulais que la mer soit nette et le cadran de la fenêtre soit flou, ou le contraire, ou tout net. Et j'essayais de me remémorer des images de photographes que j'aime bien, à me dire qu'un tel aurait fait dans ce genre de situation, pour essayer de trouver comment faire mon image. Et finalement, j'ai pas trouvé, donc j'ai fini par me partir. J'ai fait une autre photo dans une autre pièce, mais qui me plaît pas en fait. Donc je pense que j'aurais juste dû m'écouter et accepter que j'avais pas trouvé le bon truc et voilà, partir sur complètement autre chose, quoi. Juste un dernier truc, c'est l'application que j'utilise pour développer. C'est un peu archaïque comment je fais en ce moment parce que j'ai pas de boîte Patterson assez grande pour développer des films 4-5. Je fais ça dans le noir complet, dans des bains, tout simple, avec révélateur, bain d'arrêt, fixateur. Et j'utilise une application qui me donne des signaux sonores dès que je dois changer de bain. Donc je programme les minutes, le temps que je veux pour chaque phase. Et donc j'ai un signal sonore à chaque fois qui me prévient que je dois changer. Pour finir, je montre quelques images que j'ai pu faire lors de cette sortie. Quand on développe soi-même, le côté positif, c'est que on peut le faire direct et c'est rapide et c'est sympa de le faire soi-même aussi. Après, l'inconvénient, c'est qu'on peut avoir des problèmes. Moi, clairement, la manière dont je le fais, j'étais sûr que j'aurais des problèmes. Donc voilà, ça a pas raté. J'ai des bandes verticales là qui sont sur mes images. Je pense que c'est au moment de la révélation. Peut-être que j'ai pas agité assez le bain et ça a fait des marques. Je sais pas exactement la cause, mais c'est voilà, il y a des soucis. Et ce qui est dommage, c'est que ça coupe le côté immersif des photos à la chambre. Normalement, une photo à la chambre, tu prends une claque si c'est vraiment bien fait. Et là, quand il y a des problèmes comme ça, des défauts, je trouve que ça coupe complètement ce côté-là. Donc voilà, je pense que je vais me rendre à l'évidence et je vais faire sous-traiter parce que c'est pas mon truc. Et de toute façon, là, je vais faire de la couleur prochainement, donc je serai plus ou moins obligé de pas le faire moi-même.
Voilà, donc bah voilà, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas, si vous avez des remarques ou des, peu importe, à mettre soit un commentaire, soit me venir discuter avec moi sur Instagram. Ou, il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça. Et voilà, je vous dis à bientôt.